Chers collègues, je vous le demande sincèrement. Qu'est-ce qu'on attend pour demander le cessez-le-feu? Faut-il plus de morts? On en a déjà 17 000. Est-ce qu'il en faut deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus? Faut-il encore plus affamer les habitants de Gaza? Ils ne reçoivent déjà plus d'aide et l'UNRWA n'a plus les moyens. Faut-il plus de journalistes tués? On en a déjà 80. Il en faut combien? Deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus. L'Europe du droit humain ne peut pas rester aveugle, muette face aux violations flagrantes du droit humain. Au nom de quoi regarde-t-on sans rien faire les violences des colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est? Au nom de quoi laissons-nous Israël défier à ce point le droit international? Si l'Europe tient à la solution à deux États, elle doit agir et elle a les moyens de le faire, comme les États-Unis demandant des sanctions contre les colons extrémistes gelant leurs biens. Il faut mettre l'Europe en conformité avec le droit international sur les produits issus des colonies. Il faut soutenir l'enquête de la CPI. Voilà ce qu'on a à faire de manière urgente, tout de suite, maintenant.